Une avant-première en petit comité et pour ainsi dire en famille, au cinéma Le Vulcain à Inzinzac-Locrist, samedi soir, les parents, amis et plus proches fans du cycliste professionnel de l'équipe Giant Alpecin, Warren Barguil, venez voir avant sa diffusion télé le documentaire du réalisateur breton Kenan Anabast intitulé Warren Barguil en route vers les sommets. 52 minutes d'immersion pour découvrir le quotidien d'un champion sans se focaliser sur ses résultats et en l'accompagnant sur toute une saison avec ses joies, ses doutes et sa famille. Comprendre un peu la difficulté du cycliste dans son quotidien. Pas seulement le voir justement quand ça va très bien ou quand ça va très mal, mais connaître justement toute cette évolution dans la carrière, dans la saison d'un cycliste. Et je pense que ça l'intéressait en fait, de pouvoir montrer le fait qu'il s'entraînait très durement, mais qu'il n'y avait pas que le vélo non plus, et que c'était tout un environnement qui permettait d'être performant ou pas. On en a discuté beaucoup avec mon agent, qui est mon oncle, et on en a discuté aussi avec ma famille, puisque c'est important qu'ils sachent, puisque ce n'est pas quelque chose de facile, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, et de se dévoiler un peu sa vie privée, et des fois ça peut être compliqué, mais je pense que je voulais montrer aussi au grand public comment ma famille vivait ça de l'intérieur. Et je pense que c'est réussi, j'espère. Cette production au plus près du jeune champion n'aurait pas vu le jour sans la volonté de Warren Barguil d'ouvrir son monde aux fans de la petite reine pour leur faire découvrir l'envers du décor. Toute la famille y a par ailleurs participé. C'était de présenter ma vie, comment ça se passait d'être coureur professionnel et comment les personnes le vivaient à l'intérieur. Donc c'est sûr que ça m'a plu tout de suite, je voulais montrer aussi aux gens comment ça se passe. C'est pas facile d'imaginer un cycliste qui peut faire, comment il s'entraîne, des choses comme ça. Et je voulais montrer aux gens ce que je faisais, ma passion, ce que c'était. Parce qu'on voit que les courses à la télé, on voit pas les périodes d'entraînement, les périodes de doute et toutes ces choses-là. Et je voulais aussi montrer ça, qu'il n'y a pas que forcément le succès ou la défaite. Et qu'il y a tout un travail derrière. Et c'était ça qui est important pour moi. La famille aussi voulait savoir où allait le projet, et c'est normal. Et donc du coup, il a fallu expliquer un peu plus pour savoir qu'est-ce que nous on venait y faire. C'était pas voler des images ou voler, la saison de Warren Barguil. C'était de comprendre et de passer du temps avec lui et avec son entourage. Et je pense qu'ils ont été très réceptifs. Et pour nous, ça a été une très belle chose de pouvoir compter sur Warren et sa famille dans un moment aussi important. Le documentaire Warren Barguil en route vers les sommets sera diffusé sur TBSU de courant 2016. D'ici là, nous en reparlerons.